Eh bien, bonjour. Pour ce reportage, ça va être sur deux vélos électriques qu'on vient d'acheter il y a une semaine à peu près. C'est pour faire un petit montage vidéo avec. Voilà. Alors voilà les vélos de marque Orbea. Alors ça, c'est un petit VTT et pour mon épouse un vélo de route. Alors c'est des vélos VTC. Voilà, on a fait quelques petites sorties. Alors pour info, je fais 85 kg à peu près. Et avec la batterie, c'est une batterie de 400 watts. Sur terrain vallonné, disons. Voilà, j'ai fait à peu près en mode éco, standard et turbo, mais surtout en mode éco. J'ai pu faire environ 75 km, voilà, pour vous donner une grandeur d'idée. Voilà. Et ma femme, elle, qui fait que 69 kg, elle va encore là de la marge sur la batterie, elle ne l'a pas rechargée. Allez, c'est parti. Là, je suis en mode éco. Là, je suis en mode éco. Mode éco, quatrième. Cinquième. Ce qui dépasse, c'est quand on change de vitesse, dans le bruit du moteur qui change. J'ai pu faire 74 km exactement sur un terrain vallonné. Alors là, ça monte un peu, normal, de suite ça aide pas mal. Mais il fait un temps magnifique. Septième, huitième. Ici nous sommes dans le secteur du Pixel Loup. Pixel Loup, on le voit, je ne sais pas si on le voit en cam, il est à... Je suis à 30 et automatiquement le moteur électrique est coupé et on le sent sur les jambes un peu plus. Alors je vais baisser un peu pour avoir l'assistance. Sinon, je dois dire que
C'est formidable. C'est formidable, mais attention, ça fait, si on reste en mode court, mais ça fait quand même travailler les jambes et le cardio. Alors, la batterie complètement chargée me donne en mode éco, économique, 93 km. Enfin, comme vous pouvez voir, j'en ai fait 74. Par Nicole, allez Nicole. Voilà, on va traverser. Oui, oui, on va traverser le pont du Renard. Alors moi c'est un VTT, mon épouse c'est un VTC. Alors là, je trouve que c'est un peu plus chiant, c'est grand. On est sur un faux plat, qu'on roule à limite, le moteur électrique se met, s'arrête, voilà. Notre-Dame de Londres, c'est un village pour info, j'étais facteur ici pendant 15 ans. Faire une petite pause. Avec la première batterie, c'est ça? Ouais, je suis à 38%. Oh putain, c'est pas vrai. C'est bon d'être mince. Je dépense pas, je suis économe en batterie. Et ouais, 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 t'es légère. Tandis que moi, déjà, ouais, je l'ai rechargé. 38%, tu vas faire comme il te donne encore de kilomètres? Il me donne 26 km en high, 32 en normal, 35 en éco. Alors, mettons que tu en fasses 30 encore. Fou, ça va me faire un paquet, toi. Et ouais, parce que j'en ai fait 75. 75, putain, même si tu en fais. Oh, moi ça doit venir de la batterie qui est pourrie. Ouais. C'est la batterie, ouais. Elle est pourrie, c'est la tienne. Ou toi, tu as une batterie plus grosse. Plus performante. Je sais pas, peut-être. Non, c'est pas mes kilos, c'est pas possible. On pourra changer si tu veux. C'est la même, non? Ouais. Parce que quand on reste un petit moment arrêté, il se met en veille. L'électricité. Bonjour. Je suis passé en mode turbo, ça monte un petit peu. Alors là, de suite, ça se sent. Ça se sent bien.
là je suis à 31-32 de vitesse. Voilà, on est retourné dans Notre-Dame de Londres sous le soleil. Ça me rappelle des bons souvenirs ici. Déjà, il va y avoir au mois de juillet, ça fera 12 ans que je suis parti en retraite. Allez, on va passer à normal. Voilà. Ensuite, il s'en va tout seul. Certain que même faire du vélo électrique, c'est bon pour, le, pour les articulations, les jambes et le cœur. Allez, vas-y! S'arrête là en plein milieu. Hein. Mais tu t'en préparais pas quand je m'arrête. Hein. C'est sûr là-bas. 20 km. 20 km 300. C'est ça, Nicole? Moi 400. Ah. Non, c'est ça. Oui. 300. Ça fait 94 km au total au compteur du vélo. Moi j'ai 88. C'est ça, on a toujours les 6 de différence. Non, il m'en reste 67 à faire. Ça baisse vite, vite. Hein? Il n'y a que toi, Nicole, que ça baisse pas ta batterie. Il m'en reste. Oh, vite. Alors, un micro 22. 53 minutes. Moyenne 22 600. Maximum 41,6. Voilà. Et ensuite, alors, j'appuie là. Et hop, j'efface le parcours du jour. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux reportages. Ciao.